Le plus accessible des scooters inclinables à trois roues fait le plein de nouveautés pour 2017. Une bonne surprise pour les permis B et A1. Si les lignes du modèle original demeurent, c'est dans le détail que l'on perçoit certains changements, notamment l'arrivée de feux avant full LED et une partie arrière remaniée. Plus dynamique le Tricity 2017, surtout dans ce coloris bleu turquoise. Et d'autant plus avec l'adoption du moteur Euro 4 de son cousin à deux roues, N-Max, aussitôt chez MBK. Ce monocylindre à technologie basse friction Blue Core développe 12,2 chevaux et 11,7 Nm, soit un cheval et 1,3 Nm de plus que le précédent Tricity. Eh bien, c'est toujours aussi agréable de rouler avec ce Tricity en ville. Une belle redécouverte, ça faisait quelques temps que je n'avais pas roulé avec. Alors c'est parfait pour rouler en ville, mais c'est aussi maintenant très bien pour rouler sur voie rapide grâce à sa vitesse maxi de 111 km/h. Et ça, c'est l'effet du moteur du N-Max. Et nous avons même pu améliorer cette vitesse maxi à 115 km/h compteur et 106 au GPS à la faveur d'une légère descente. Alors le gain est vraiment sensible à bas régime, bien sûr. Mais c'est en arrivant vers la vitesse maxi qu'on le sent encore plus, au niveau des reprises notamment. Ce qui fait qu'on peut évoluer beaucoup plus sereinement sur voie rapide, surtout que la jante arrière est passée en 13 pouces. Et ça, c'est aussi sensible sur la stabilité et c'est vraiment pas plus mal. Yamaha ne s'est en effet pas contenté de greffer un nouveau moteur à son 3 roues. Le cadre a été allongé de 4 cm, la roue arrière a vu son diamètre augmenter de 12 à 13 pouces, avec un pneu plus large en 130 mm au lieu de 110 mm, les deux roues avant restent elles en 14 pouces avec des pneus de 90 mm. Du coup, le poids a augmenté de 12 kg à 164 kg tout plein fait. Mais le réservoir est plus volumineux avec 7,2 litres au lieu de 6,6. Avec les 2,9 litres au 100 que nous avons consommés, comme sur le précédent modèle, l'autonomie est portée à 250 km, soit 30 de mieux qu'avant. Alors il n'a pas perdu non plus en maniabilité, hein. Il est toujours aussi agile dans les petits coins. Le train avant à deux roues rassure toujours, hein, surtout que, quand il s'agit de freiner sur le mouillé, c'est vraiment top. Alors, le freinage est toujours couplé au levier gauche, avec un feeling un petit peu spongieux quand on saisit le levier. Alors, on n'hésite pas à appuyer assez fort sur ce levier. Mais après, la puissance arrive de façon progressive et c'est tout à fait conséquent. On en a largement suffisamment. Et puis en cas de besoin, on peut en rajouter un petit peu au levier droit. Pas de modification au niveau du freinage, avec un disque sur chaque roue avant et un disque arrière. Et toujours le choix entre deux versions, avec ABS ou sans. Le train avant a double fourche hydraulique et les deux amortisseurs restent aussi à l'identique. En revanche, l'allongement du cadre a permis d'allonger le plancher plat et d'avancer le tablier. Un bon point, c'est pour les grands gabarits. Ils vont avoir un petit peu plus de place au niveau des jambes et pour les pieds. La selle, franchement, n'est pas trop haute. On pose facilement les deux pieds au sol quand on mesure 1m60 comme moi. Et le tablier, franchement, protège pas mal, notamment les jambes et jusqu'au bas du buste. Bon, pour protéger le haut, on pourra rajouter un petit pare-brise, mais je trouve pas que ce soit forcément essentiel. Bon, en revanche, il n'a pas franchement gagné en confort. Moi, je trouve que la selle est toujours assez ferme. L'amortisseur aussi, notamment sur les petites compressions. Après, les grosses, il les encaisse bien. Il n'y a pas d'effet raquette. L'ergonomie générale n'a pas évolué, la position est naturelle avec un guidon peu large, les commandes sont simples, de même que l'instrumentation numérique. Complète et lisible, avec horloge, jauge de réservoir, deux tripes partielles et température extérieure, il ne lui manque qu'un indicateur de consommation moyenne. Dernière bonne nouvelle, le plancher plat est plus vaste et le coffre a pu être légèrement agrandi, acceptant désormais un petit casque intégral, tandis qu'une boîte à gants apparaît sur le côté droit du tablier. Elle ne ferme pas à clé, mais recèle une prise 12 volts. Et puis on rappelle que quand on s'arrête, on n'oublie pas de mettre les pieds au sol. C'est pas comme le MP3, il n'y a pas de roll lock. Mais bon, vu le poids de l'engin, c'est pas un souci.
Moteur, châssis, comportement, aspect pratique, style, ce millésime 2017 signe une évolution très positive pour le Tricity. Certes, il faudra débourser 100 euros de plus qu'auparavant à 4 599 euros avec ABS et 4 099 euros sans ABS. Mais cela reste raisonnable au regard de sa polyvalence accrue.